Réveille-toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as besoin de notre aide. Bonjour, je suis Anne Calfon, ta coach en sérénité. Et je suis son vieil ami Philippe Noisette, coach en anglais. Mon ami Phil et moi, nous avons rencontré une vraie crise existentielle. Nous sommes alors partis en part d'ici. Là-bas, on a rencontré un vieux moine qui nous a dit « Cassez-vous de chez moi, connard de touriste ». Pas un bon début, pas vrai? Nous y avons rencontré un moine qui nous a ouvert les portes de son cœur et enseigné la méthode Go, Go, Go! De retour en France, nous avons recruté les meilleurs coachs afin d'ouvrir l'école Go, Go, Go et te transmettre tout notre savoir-faire en vidéo. Phil, peux-tu nous expliquer ce que nous allons apprendre avec toi? Bien sûr, Anne. Sur la première vidéo, je vous apprendrai la première règle de l'anglais qui est... À 150 francs si tu veux en savoir plus. Eh oui, il faut payer pour le savoir. Allons rencontrer l'équipe. Et voici maintenant Luc. Et sa belle moustache. Luc, peux-tu nous expliquer ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec toi? Bien sûr, Anne. Moi, je suis Luc, coach en succession. Grâce à moi, et je dis bien à moi, votre argent se rentre de bonnes mains. Et là, bien sûr, je parle des miennes. Afin qu'à votre mort, et là, bien sûr, je parle de la vôtre, votre conjoint puisse bénéficier de tout l'argent que vous aurez bien voulu lui laisser. Et là, je dis bien voulu lui laisser. Ça a l'air génial. Notre passion, c'est avant tout de vous soulager, dans tous les sens du terme. Et moi, je suis là pour achever le travail. Un travail mortel. Merci, Luc. Et nous voici avec Stacy. Qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Bonjour, moi je suis coach en nutrition. Avec moi, fini les excès et bonjour à une vie saine et durable. Ça a l'air génial. Stacy a raison. Puis une vie saine et équilibrée, c'est une base solide pour construire les fondations de ton futur. Ça a l'air génial. Non, Phil, tu devrais plutôt manger une pomme. Que se passe-t-il? Stacy a raison, Phil. Parce que pour une vie zen et équilibrée, rien de tel qu'une alimentation zen et équilibrée. Une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours. Non, alors déjà, ta gueule, tu me la joues pas à la ricaine, s'il te plaît, parce que ça, c'est mon credo. Et ça va faire 2 jours que j'ai pas bouffé, j'ai pas dormi. Et j'ai tendance à rapidement devenir vulgaire quand j'ai pas becté. Alors, tu me rends mon burger et tu me fous la paix avec ta pomme à la con. Phil. Non mais désolé, hein, j'avais prévenu, hein. Alors, rends-moi mon burger s'il te plaît, connasse! Eh oh, connard! Fais gaffe à ce que tu dis, hein, sinon je vais chercher mon mec qui va te péter la gueule! Ah ouais? Et bah tu crois que ça me fait peur, un mec qui mange que des légumes? Il va faire quoi? Me tirer dessus avec un lance-roquette? Il va te péter la gueule à main nue, ouais! Ouais! Fils d'une plage. Phil, Phil, Phil. Qu'est-ce qui se passe dans ton monde intérieur? Anne, s'il te plaît. Et tu sais très bien que quand j'ai faim, et que je peux rapidement devenir chiant! Phil, Phil, Phil. Recentre ton chakra! Me cherche pas, hein! Sinon c'est toi que je vais bouffer. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais casse-toi, là, j'attends que ça depuis des années, là. Ah, bah, y'a pas que moi qui suis énervé. Georges, peux-tu nous expliquer ce que nous allons apprendre avec toi? Non, pas vraiment, là. Ma femme se barre, là, elle se casse avec mon meilleur ami. Ça a l'air génial. De quoi? Non, bah, t'as un problème, toi. Non, pardon, excuse-moi, c'est des phrases que je dis comme ça sans raison. Phil, tes chakras. Chakra, Phil. Georges, comment gères-tu cette mauvaise nouvelle? Est-ce que tu appliques ta propre méthode de vie sur ta propre expérience de vie? Oui, bien sûr. Ouais. Je respire un grand coup, là. Ça va aller mieux. Oui. Mais bien sûr que non, putain, ça va pas mieux, là. La femme va se barrer, elle se casse avec mon meilleur ami, là, je vais lui casser la gueule. Ça a l'air génial. Putain, mais t'as vraiment un problème, toi. Hein. Et voici Marc, notre coach sportif. Salut Anne. Peux-tu nous dire combien de fois tu as répété tes enchaînements? Près de 500 fois, comme tu me l'as demandé. Oh. Marc, c'est lui le connard qui m'a insulté. On dirait que tout le monde n'a pas recentré ses chakras. T'avais qu'à pas me piquer mon burger, connasse! Attends, mais qu'est-ce que tu dis là? Allez, tout le monde avec moi, les chakras! Connasse! J'ai dit connasse! T'es sourd en même temps que t'es con, toi, ou quoi? Putain, mais je vais te péter la gueule, toi! Putain, mais vous allez la fermer, là! Tes chakras, Anne, tes chakras! Ta gueule! T'es même pas capable de tenir 2 secondes sur un tournage parce que monsieur il pense qu'à bouffer! Mais c'est plutôt de ta faute ça, connasse! Avec tes plannings à la con, tes horaires de tournage à la con, j'ai pas pu dormir et me reposer pendant au moins 2 jours! Mais je t'emmerde, t'entends? Je t'emmerde! T'étais même pas capable de tenir un planning parce que monsieur il pensait qu'à recruter des stars pour se faire du pognon! Ah mais attends, mais quand on voit les stars qu'on a, bravo le recrutement! Oh putain, mais je vais te péter la gueule, toi! Bon, mais coupé. I want to go. I want to go. Go, 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 I want to go. I want to go.
Marc McAllister, George Coffey, Stacy Lauren, Luke Sims, Anne Calfon et Philippe Nuts. That is so great. Bien, merci pour l'appel, Maria. Alors, on va pouvoir commencer dans 5 minutes, d'accord? Si vous avez envie d'un petit café, d'un jus de fruits, je vous en prie, allez vous servir. Ok? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ouais. Donc, ça fait 15 ans que tu les suis. Mmh. 15 ans, oui. Ils ont pété un cap sur un tournage ou un truc dans le genre. Des coachs de vie. Sans doute encore plus tarés que les gens qui sont censés aider. Ah ouais, ça fait peur. Bah, ils sont pas tous comme ça. Hein. Moi, par exemple, j'en suis un. Un Américain. Un vrai. So great. Et ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est délirant. Ça a vraiment rien à voir. Tiens, regarde. C'est la dernière vidéo qu'il a uploadée. Ah, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques petites astuces sur le ruban à mesurer. Voilà, en espérant vous voir mesurer plein de meubles chez vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Il faut que j'aille voir mon psy, là. Ça va pas.